Retenez ce chiffre. En moins de 2 ans, votre argent a été dévalué de 7%. Ça veut dire que si vous aviez 100 000 euros de côté, ce qui est déjà un joli patrimoine, eh bien aujourd'hui, il vous faudrait 107 000 euros pour pouvoir vous offrir la même chose. Et ça, en même pas 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Bah, ils ont imprimé. Ils ont imprimé, 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 imprimé de la monnaie, imprimé des billets, tant et si bien que votre argent, il a été tout simplement dévalué. C'est exactement ce qui s'est passé avec ça. Ça, c'est des bolivars, ça vient du Venezuela, et vous savez quoi? Ça, c'est de la monnaie qui vaut strictement à rien. Que dalle. Je suis même pas sûr que ça ait la valeur de l'encre qui est imprimée dessus. Donc, franchement, faites très attention à ça, et je vous invite à prendre conscience du fait que ça, c'est le temps. Lui, il passe qu'une fois, et lui, il est précieux parce que chaque seconde qui est écoulée, c'est mort, elle repassera pas une deuxième fois. Donc, essayez d'en profiter, essayez de vous mettre en sécurité, essayez de faire travailler votre argent à votre place pour éviter de devoir courir et être en manque d'argent pour tout le reste de votre vie. C'est très important d'en prendre conscience aujourd'hui, le plus tôt possible. Il y a plein de solutions pour pouvoir s'en prémunir. J'explique ça dans la formation Protocole 4P. La liberté financière, c'est en description de la vidéo. Lâchez un pouce et abonne-toi à la chaîne. Salut, ciao, ciao.